Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir les maîtres de cérémonie. Please welcome the host of tonight's show, Madame Sandier Ribert et Monsieur Didier Drogba. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la cérémonie du 68e Ballon d'Or France Football. Quel immense bonheur de vous revoir. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you so much for being here with us tonight, live from Paris. Paris, capitale du monde cet été pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et à nouveau ce soir, lieu de toutes les attentions où d'autres grands sportifs sont en quête d'or. Nous allons vivre une soirée exceptionnelle en compagnie des plus grands noms du football mondial en direct dans plus de 170 pays et sur tous les continents. Vous êtes plus de 400 millions de téléspectateurs à nous regarder. And in just... As a reminder, pour rappel, le trophée Copa, le lauréat, est élu par d'anciens lauréats du Ballon d'Or France Football. S'il vous plaît, Rude, ouvrez l'enveloppe. And the winner is Lamine Yamal. Vainqueur est Lamine Yamal. Bueno, buenas noches. Nada, es un orgullo poder recibir este premio gracias a France Football. Merci énormément, c'est une grande fierté pour moi. Merci à France Football de cette immense reconnaissance et j'aimerais dédier ce prix à ma mère et à ma grand-mère qui m'ont toujours soutenu et bien évidemment à tout le personnel, à la sélection, au coach. Y nada, esto es un esfuerzo que le dedico a todo el mundo que me ha apoyado. Et jusqu'à le Barça, et la capitale, c'est 04. Vive le Barça. Félicitations, Lamine. Félicitations. Vous êtes le premier joueur de moins de 18 ans à remporter ce trophée. Vous battez tous les records de précocité. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président Joan Laporta et la capitaine de l'équipe Alexia Putellas. Comment allez-vous? Venez par ici, s'il vous plaît. Y puede ser que sería muy meritorio que todas las compañeras Il que están aquí que subieran porque de circonstances où ça serait magnifique que toutes les joueuses puissent nous joindre sur la scène parce que nous sommes après tout une équipe. Oui, merci. Nous allons accueillir sur scène certaines des joueuses de cette équipe. Et voici toutes les joueuses qui nous rejoignent sur scène. Magnificent trophy. Un trophée magnifique pour fêter le 125e anniversaire de ce club légendaire et un cadeau magnifique de la part des joueuses avec cette performance hors du commun au Classico. Oui, c'est 125 années d'histoire, c'est une manière excellente de le fêter, bien évidemment, ce trophée. Et un cadeau d'exception pour un des meilleurs cadeaux qui
qui soit pour les supporters du Barça, et nous sommes extrêmement heureux, honorés, surtout pour nos supporters, et nous aimerions dire merci, merci, mille merci à nos joueuses, merci d'être ici, merci au coach et à son personnel, parce que grâce à eux, le Barça est une équipe, un club soudé qui fait du bon foot, dans le Classico surtout. Et grâce à toutes ces personnes, le Barça est de nouveau aimé de tout le monde, partout dans le monde. Félicitations de nouveau. Mesdames, Messieurs, le meilleur club de l'année, le FC Barcelone. Et après le club féminin, quel était le meilleur club masculin de l'année? Et le meilleur club masculin de l'année est une équipe phénoménale. Gagner est une habitude pour eux. Le Real Madrid a cette habitude-là, celle de gagner, de vaincre. Yet again. It's Real Madrid's trophy again. Real Madrid, Champions League winners. It's a magic moment in all of their lives. Wow. Congratulations to Real Madrid for this well-deserved trophy. After winning your 15th Champions League and a 36th La Liga title. Et après, congratulations après to avoir them. Remporté. Up to Beckenbauer. What a very, very good goal indeed. The new champions of Germany. Franz Beckenbauer in der strahlenden Dose des Gewinners. Beckenbauer. Bayern München ist Europapokalsieger im Bewerb. The one and only Franz Beckenbauer. Neuen Meister, FC Bayern München. Dear Heidi, if I may ask, Heidi, si vous me le permettez, comment voudriez-vous que l'on se souvienne de votre époux? I believe the Kaiser was a Kaiser, on the pitch and off the pitch. Le Kaiser était le Kaiser, sur le terrain, hors du terrain. Sur le terrain, je pense que tout le monde le connaît, player, comme étant un joueur extraordinaire, comme étant l'un des plus grands joueurs au monde But dans l'histoire du football. Was, mais hors du terrain, fantastic guy as well. C'était un homme absolument extraordinaire. He treated people very respectful, il traitait kind, les autres avec beaucoup de respect, beaucoup so, de bonté et de gentillesse. On both, on and off donc the pitch, à la fois sur le terrain et hors du terrain, il était un Thank exemple you. À suivre. Karl-Heinz. Merci Karl-Heinz. Heidi Joël, avant de vous laisser partir, nous voulions partager avec vous ces archives qui remontent à 1966, des images absolument incroyables. Das ist doch nicht die Welt. Gute Freunde, wie wir uns nennen, ja, die sind sich so eins wie nie. Wenn sie spielen und helfen können in der Fernsehlotterie. Gute Freunde, wie wir uns nennen, ja, die sind sich so eins wie nie.
wenn sie spielen und helfen können in der Fernsehlotterie. Heidi and Joel, that was just amazing. Heidi, Joel, c'était absolument incroyable. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour commémorer et rappeler le souvenir du grand Franz Beckenbauer. J'aimerais dire ceci, merci énormément au président de l'UEFA, France Football, bien évidemment. Je suis persuadé que cela est un geste très très beau et très apprécié par mon club et bien évidemment aussi par tout le secteur du football allemand. Donc merci infiniment de nouveau. Il est maintenant temps de présenter les lauréats du trophée Gerd Müller. Deux joueurs ont le même nombre de buts la saison écoulée. Je vais ouvrir l'enveloppe, permettez-moi. Prenez votre temps, Karl. Donc le trophée Gerd Müller est décerné à Kylian Mbappé et Harry Kane et Kylian Mbappé. Merci infiniment à mon club Munich, et parce qu'ils m'ont, c'est mes coéquipiers qui m'ont permis de marquer tous ces buts également. Donc c'est une excellente soirée pour moi, bien évidemment, et un véritable honneur de recevoir ce prix. Donc je le partage avec tout le monde, bien évidemment. Merci. Félicitations, Harry. Une bataille fantastique entre vous et Kylian Mbappé. Le trophée Yashin, élu par 100 journalistes qui représentent 100 pays dans les rankings de la FIFA. Lautaro, à vous l'honneur. Le vainqueur est Emiliano Martinez. Emiliano, you again. Vos premiers mots, vous, de nouveau, vos premiers mots. Tout d'abord, merci infiniment à toutes et tous. C'est un honneur d'être sur cette scène de nouveau. Merci à Lautaro, à Aston Villa aussi. Je suis avec mon entraîneur, etc. Tout le monde me connaît. Ils savent à quel point je suis exigeant. Je veux m'améliorer. Ça a toujours été comme ça depuis enfant. Et c'est ma motivation, c'est-à-dire continuer de m'élever en tant que foot, être presque obsédé par les améliorations, etc. Je crois que les succès et les exploits individuels proviennent toujours du collectif, donc merci infiniment. Nous passons maintenant au prix Socrates, un prix qui a un sens particulier dans le monde d'aujourd'hui. Pour la première fois cette année, nous récompensons un joueur ou une joueuse dédiée et impliqué sur des causes importantes. C'est pour rendre hommage à un grand footballeur brésilien des années 80, Socrates, un joueur de légende. Et le vainqueur de ce prix Socrates, Didier. The winner. Le vainqueur. Okay, there's a message. Il y a un message that I'm going to read. Que je vais lire. In recognition of our exemplary role in the development of equality and empowerment. Au développement de l'égalité et la place de la femme dans le foot féminin. On est ravis de décerner ce prix à Jennifer Hermoso.
quite heavy. Hein? Félicitations, attention, c'est lourd. Oh, mon Dieu, que de pression. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, je souhaite vous remercier pour ce prix parce qu'il a beaucoup de signification pour moi. Cela me rend encore plus consciente de la responsabilité que nous avons en tant que sportifs et sportives, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et je vais parler au pluriel parce que ce prix, ce n'est pas seulement à moi qu'il est remis. Il est remis à toutes mes coéquipières avec lesquelles je partage le terrain et sur lequel l'égalité n'est pas toujours un fait acquis. Mais c'est pour cela que nous travaillons au jour le jour. Aujourd'hui, je me suis réveillée et je me suis souvenue de ce que me disait une petite fille un jour. Qui me disait « Je rêve de devenir footballeuse comme toi ». Et à un moment aussi important que celui-ci, je me rappelle de ces mots et cela me donne la force de continuer. Cet enfant, elle mérite un football qui soit débarrassé des préjudices, qui soit débarrassé de la violence de genre. Et c'est pour elle et pour toutes les femmes que je continuerai à lutter avec courage, que je continuerai à porter leur voix en me basant, en me reposant sur ma famille et sur toutes les personnes qui ont une conviction, qui partagent avec moi la conviction qu'il faut que ce sport contribue à faire de ce monde un monde meilleur. En tant que footballeurs et footballeuses, nous sommes des exemples dans la société et nous pouvons agir pour faire changer le monde. Nous avons le rêve qui permette aux petites filles de jouer au sport qu'elles méritent. Et c'est à elles toutes que je dédie ce prix. Merci à toutes, merci à tous. Merci pour ces mots. Et vous méritez cette très belle ovation. Merci Jennifer, merci infiniment pour ce courage, pour cette fortitude, pour tout ce que vous avez fait au cours des deux dernières années pour faire bouger les choses dans ce monde. Merci. Jordi, please. Jordi, à vous l'honneur. The 2024 Women's Johan Cruyff Trophy goes to Le trophée Johan Cruyff 2024 pour la coach féminin revient à Emma Hayes. Ces entraîneurs que je respecte énormément. Et je mesure combien ce travail est un défi. Je me sens un petit peu embarrassée car le football est un sport d'équipe. J'adore ce trophée. C'est le plus beau trophée qu'il soit, avec 11 anneaux qui symbolisent les joueuses des équipes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, des personnes extraordinaires, des équipes extraordinaires. C'est un jour de grande fierté pour moi, donc merci beaucoup. Merci pour cet été absolument magique que nous avons vécu en France, un très beau pays. Et oui, je suis vraiment très honorée, merci. Thank you, Emma, for these kind words. Merci, Emma, pour ce très gentil message. Christophe, l'honneur est yours. Mr. Stoïkov, l'honneur est à vous. À vous l'honneur. Entraîneur de l'année. Entraîneur de l'année. Carlo Ancelotti. Ce prix revient à Carlo Ancelotti. Malheureusement, Carlo Ancelotti n'a pas pu vous rejoindre ce soir.
Il reçoit ce magnifique trophée après sa cinquième victoire en Ligue des Champions, ce qui en fait le coach le plus décoré de la compétition. Quelle grande déception de ne pas voir ce soir mon ancien coach, mais félicitations, Mister. Une fois de plus, vous marquez l'histoire. Merci Jordi, merci Risto d'avoir été parmi nous ce soir. S'il vous plaît, dites-nous qui est la sixième vainqueuse du Ballon d'Or féminin France Football. Eh bien, c'est Aitana Bonmati. Restez, ne partez pas. Non. Sixième Ballon d'Or de l'histoire, remporté deux années consécutives par Aitana Bonmati. Bonne nuit, good night, bonne nuit, buenas noches. Bueno, gracias por este fuerte aplauso. Bonsoir. Merci pour ce tonnerre d'applaudissements. Je suis extrêmement reconnaissante de recevoir ce deuxième ballon d'or consécutif. Mais comme je dis habituellement, ce n'est pas un exploit personnel ni individuel. Je suis extrêmement reconnaissante. J'ai énormément de chance d'être entourée de grandes joueuses qui font que j'arrive à ces exploits et qui m'aident à être une joueuse de plus en plus performante. Merci infiniment à tout le personnel du club. Sans ces personnes, je ne pourrais pas atteindre tous ces succès. Et merci infiniment au club, au Barça, bien évidemment, et à son président, Monsieur Laporte, et à toute la direction. Merci infiniment de tout ce que vous faites pour nous. Et je ne pourrais jamais oublier tous ces entraînements une semaine après l'autre et où nous sommes vraiment complètement soudés comme lors de la Champions League à Bilbao. J'aimerais féliciter également Carole qui a fait une saison incroyable et merci infiniment de faire de moi la meilleure joueuse et cette connexion incroyable avec le latéral droit. Et finalement, un grand merci à ma famille, à mes amis, car ils me soutiennent dans les moments les plus durs, bien évidemment. Sans eux, ça serait impossible. Merci infiniment. C'est un immense plaisir d'être ici sur cette scène de nouveau cette année. Et c'est grâce à toutes ces personnes que je viens de nommer. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui m'aident à être une joueuse, une meilleure joueuse chaque jour. Monsieur Georges, Mister, faites-nous l'honneur, s'il vous plaît. Suspense, everyone. Let's hear George Weah. The 2024 Ballon d'Or. Le vainqueur du Ballon d'Or 2024, Ballon d'Or France Football, est Rodrick. Rodri. Mesdames et messieurs, le 68e trophée Ballon d'Or France Football revient à Rodri.
show it again. It's yours. Show it again. It's yours. Yes. Enjoy. Enjoy this moment. C'est votre trophée. Profitez, profitez de ce moment incroyable. Permettez-moi de vous aider. We are going to invite Rodri. Donc nous allons back over there, inviter Rodri à se rendre au micro. Il va nous dire quelques mots, lui qui vient de remporter ce trophée des Ballons d'Or. Et c'est un très grand honneur pour tous les joueurs de football au monde. Donc vos premiers mots, Rodri. Incredible night for me today. Une soirée incroyable pour moi. Permettez-moi de m'adresser à vous en ma langue maternelle, l'espagnol, en hommage à mon pays. Bonsoir, merci à toutes et tous. J'ai énormément de choses à remercier, dont je suis reconnaissant. France Football, tout d'abord, et l'UEFA pour ce prix et pour m'avoir permis d'être sur cette scène cette année. Tout d'abord, merci à tous celles et ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont permis d'obtenir ce prix. C'est une journée, une soirée extrêmement spéciale pour moi, pour ma famille, pour mon pays. Et je voulais remercier tout d'abord la personne la plus importante pour moi dans ma vie, c'est ma compagne Laura, qui aujourd'hui, en fait, notre anniversaire d'ailleurs. Sans toi, ce chemin n'aurait pas été le même. Merci infiniment, Laura. À ma famille, bien évidemment, pour toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises. Grâce à leur soutien, ils m'ont permis à suivre les pas qu'il faut suivre pour devenir ce que je suis devenu, un homme qui fait du foot par amour. Merci à une personne très spéciale aussi qui m'a suivi tout au long de ce processus. Il s'appelle Pablo, c'est mon agent, qui l'a cru, hein, Pablo. Nous retrouver là quand tu venais me chercher pour aller au match avec cet amour inconditionnel, ce soutien incroyable, altruiste, poursuivant les mêmes rêves que je poursuivais, c'est-à-dire atteindre le sommet. Et merci infiniment à toute ma famille, mes amis, de leur soutien. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers, le football étant un sport collectif. Sans eux, je ne serais pas là. Merci à tout le Manchester City, à tout le personnel. Robert, merci d'être là. C'est très spécial pour moi. Sans vous, cela, ce prix aurait été impossible. Je suis dans le club qui pour moi est le meilleur club au monde. Merci à la sélection espagnole, bien évidemment, à Luis de me faire confiance depuis si longtemps. Et je voulais parler, m'adresser à mes coéquipiers, car nous avons quand même remporté l'Euro. Et j'aimerais parler à Carvajal qui mériterait d'être ici, mais qui est blessé. Mais je suis convaincu que l'ami remportera ce même prix très bientôt. Continue comme ça, continue de travailler, et puis tu seras là dans quelques années. Je crois que ce trophée consacre non seulement ma victoire, mais la victoire d'autant de joueurs espagnols, Iniesta, parmi tant d'autres. C'est une victoire du foot espagnol et de la figure du milieu de terrain.
J'ai eu énormément d'amis qui m'ont envoyé des messages de soutien pour me dire c'est le foot qui a gagné. Et donc merci infiniment du fond du cœur à tous ces milieux de terrain, à tous ces mots, car nous sommes souvent éclipsés par d'autres placements, mais aujourd'hui voilà, nous sommes en pleine lumière. Et j'aimerais partager avec vous une anecdote qui raconte un peu le processus qui m'a mené jusque-là. À 17 ans, j'ai pris mes bagages, direction un rêve, c'est-à-dire à Villarreal pour jouer dans la première division. Jamais j'aurais cru que cela serait possible. Et je me souviens de cette journée où je me suis dit « ça suffit », j'ai appelé mon père. En pleurs, avec ce sentiment que tout était terminé, que je ne pourrais plus jamais continuer, que j'avais investi tous mes efforts, toute ma vie pour atteindre ce rêve, et ce rêve était en train de s'effriter. Et mon père m'a dit, non, on ne jette pas l'éponge comme ça, on n'est pas arrivé jusque-là pour rien, on va serrer les dents. Et donc ce jour-là, ma mentalité a changé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, cela raconte qu'un garçon tout à fait normal, avec des valeurs, qui essaie de faire les choses bien et qui fait fi des clichés autour du foot, etc., peut atteindre le sommet. Je suis très fier d'être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Merci infiniment. Félicitations, Rodri. Vous êtes la 68e personne au monde à remporter le Ballon d'Or. Bienvenue dans la grande famille des vainqueurs du Ballon d'Or France Football. Nous voulons immortaliser ce moment. Immortaliser ce moment avec nos deux Ballons d'Or. Voilà. Merci. Merci. Of course. Voilà. Mr. George, please. Monsieur George. Ladies and gentlemen, please, the two 2024 Ballon d'Or. Les deux Ballons d'Or 2024. Aitana Bonmati et Rodri. Please, one last one. Thank you. Une dernière, merci beaucoup. Encore un grand merci à Georges, Aitana, Rodri. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette cérémonie. Un grand merci à vous, à tous les joueurs, les joueuses, les coachs, tous les invités ici présents dans ce théâtre légendaire. Et on se voit l'année prochaine et vive le Ballon d'Or.